Le sexe est un sujet important pour tout le monde. Le sexe, c'est quelque chose qu'on aime faire. Le sexe, c'est quelque chose dont on aime parler. Le sexe, c'est quelque chose qu'on aime regarder. C'est excitant. Le sexe dans le cinéma français, ou dans la culture française tout simplement, ce n'est pas un sujet tellement tabou comme vous pouvez croire. Les scènes du sexe où on voit le corps d'une femme ou le corps d'un homme, nu, peuvent choquer certains d'entre vous, mais en réalité, c'est ça la liberté d'expression dont on parle depuis la révolution sexuelle. La liberté sexuelle, c'est un sujet important en France. C'est un sujet important pour les Français qui, depuis toujours, parlent du sexe de manière un peu plus ouverte. Alors les seins, les fesses, le vagin, la nudité, l'érotisme, la pornographie, ce sont les sujets que les auteurs français touchent aussi facilement. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à un grand voyage sexuel à travers le cinéma et la littérature française. Dans cette série de vidéos, je vous parlerai des films où le sexe et l'érotisme sont à la carte. Parfois, ce sera le sexe très sublime. Parfois, ce sera l'amour fort et même brutal. Dans cette série de vidéos, on parlera de la révolution sexuelle, du libertinage, des pratiques sexuelles dont on a parlé déjà au XVIIIe siècle. On parlera de la littérature spéciale, courageuse. Je vous expliquerai du vocabulaire que vous n'apprendrez dans aucune école parce que justement, à l'école, c'est un sujet tabou. Et à la fin, je vous donnerai aussi un dialogue qu'on trouve nulle part, justement parce que c'est un dialogue spécial avec du vocabulaire sexuel que vous pouvez utiliser dans des situations intimes. Et si jamais on ne se connaît pas encore, moi je suis Gauthier et je suis votre professeur de français. Je suis ici justement pour vous aider à apprendre le français et à découvrir la culture française qui est extrêmement riche. À partir de demain, les amis, je vous publie, et cela pendant quelques jours, des vidéos où je vous présente des films qu'il faut voir absolument quand on s'intéresse au cinéma français. Alors les amis, j'espère que vous ferez ce grand voyage sexuel en découvrant le cinéma et la littérature française de qualité. J'espère qu'on se verra demain pour parler du premier film.